l'honneur d'annoncer l'arrivée d'un heureux événement. L'arrivée prochaine dans la famille des 15 ans au Catherine d'un petit dernier, un fromage au lait cru affiné sur une feuille de châtaigne, le motet sur feuille. C'est une énorme reconnaissance de notre travail, de notre savoir-faire. En plus, en tant que producteur fermier, vu qu'on a toute la chaîne, c'est un long travail qui est reconnu. Et une reconnaissance aussi par rapport à nos crémiers. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir identifier notre savoir-faire en vendant le motet sur feuille aux clients. Et la particularité que nous avons sur la ferme, c'est que nous vendons qu'à des crémiers fromagers. Donc ça veut dire que aussi on a un lien avec le consommateur qui est très proche. En 2000, il y a un syndicat de défense du motet sur feuille qui s'est constitué. Donc depuis 23 ans, c'est un groupe d'une quinzaine de personnes qui se bat pour reconnaître ce fromage en AOC puis AOP. C'est un travail de longue haleine. Le dossier a été déposé 3 fois. Et au dernier comité national du 9 novembre, l'INAO a reconnu et validé le cahier des charges. Et donc on rentre aujourd'hui dans une procédure où c'est une période nationale d'opposition pendant 2 mois. Et normalement, à l'issue de cette période, on espère obtenir l'AOC. Le motet sur feuille est un fromage qui est rond, conique, il est moulé dans un moule conique. Il s'affine sur une feuille de châtaignier. Et ça, c'est vraiment sa caractéristique et sa particularité, parce que du coup, il va y avoir un échange de goût et de saveur entre le fromage et la feuille. Et la feuille, en fait, joue un petit peu un rôle de buvard. Donc elle va garder une humidité. Et plus le fromage va s'affiner, plus il va développer des saveurs. Donc c'est vraiment ce qui le caractérise.